Et bonjour à tous, c'est Mister Bowling et ça y est, les 2 ans du Mister Bowling sont enfin arrivés. Donc aujourd'hui, émission spéciale, hein, donc avec un best-of, des meilleurs moments, des scènes coupées dont vous n'avez jamais vu, etc., les fous rires, et à la fin, la fameuse FAQ, la foire aux questions, ou les question answer, donc que vous m'avez posé durant tout le mois, dont je vais répondre à la fin avec des questions plus ou moins vidéoludiques, enfin il y aura un peu de tout, et deux imitations de deux personnages, enfin vous verrez tout ça à la fin. Donc là pour commencer, ben pourquoi pas un petit best-of de mes coups de gueule dans mes premières vidéos, parce qu'on va au cartouille hein, à l'époque. Allez, c'est parti. Oh, pas mal. Pas mal, ça c'est pas mal. Oh, et voilà, je suis dernier. Mais qui m'a pris mes items encore, là? Dans quel sens c'est pas les escaliers? Mais j'ai pris les mauvais. J'ai pris les mauvais. Non, pas... Oh, ouais, oh, ouais. Oh, ouais. Le super jackpot. Non. Non, mais putain! Oh, l'item, enfoiré! Mais où est-ce que je vais? Mais je vais où? Mais je vais où? Mais je vais où, là? Allez, descends! Putain! Mais enculé! Triple combo! Voilà, magnifique! Qu'est-ce qu'on vient de voir, là? Si ça sert à rien... Ouais, allez! Hé! Mais arrête, là! C'est qui fait ça? Putain, ça... Mais putain de merde! Putain, mais fais chier les mecs là! Arrêtez, calmez-vous envers moi là-haut! Et voilà, regardez, regardez comment on joue! Non, mais putain, et voilà, putain, ça sort encore dans le best-of! Ah, y'a l'autre qui va me défoncer, et voilà, je. Et, oh, nickel! Alors, on fait ça là en bas. Je m'en doutais qu'il y allait avoir un éclair! Mais prends l'item! Putain, mais non! Ah, et voilà, c'était. Non! Mais non, allez, voilà! Non, c'est bon! Alors 2 ans que je suis sur YouTube, pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos, qu'est-ce qui m'en a donné envie, je vais vous raconter tout ça. Bon alors, YouTube, j'ai commencé bien au début donc de Hooper.fr, donc c'est-à-dire vers décembre 2012, donc j'ai commencé, ma première vidéo a été diffusée le 10 décembre 2012, hein, c'était avant soi-disant la fin du monde, c'était, voilà, ouais, 2 ans déjà. 2 ans que je suis sur YouTube, franchement, je suis assez content. Bon, 2 ans, c'est pas grand-chose, hein. Certains sont là depuis beaucoup plus longtemps. Mais franchement, je suis assez heureux. Pour moi, petite réussite, hein, parce que je me suis fait quand même... j'ai connu des gens grâce à ça et tout. Franchement, ça me fait plaisir. Et donc... qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Ben c'est-à-dire qu'à l'époque, je regardais souvent les tests donc de BB300, joueur du grenier, Hooper un peu, et je me suis dit ben j'aimerais bien faire des tests comme eux. Alors du coup, pendant longtemps, j'ai bataillé pour trouver un boîtier d'acquisition. Je savais pas comment trop ça marchait et tout. J'allais au supermarché, il y en avait pas et tout. Enfin voilà. Je me dis bon ouais, voilà. Puis après, c'est dès que je me suis inscrit sur Hooper.fr en novembre 2012. Que j'ai décidé de faire, j'ai vu qu'on pouvait, filmer les sessions, et puis je me suis dit, pourquoi pas, je vais finalement commencer avec ça. Et ben voilà. Et depuis, c'est là que je suis à fond sur YouTube. Donc, voilà, j'ai commencé mes vidéos, donc, sur Mario Kart Wii, avec les sessions de Mario Kart Wii, en filmant mon appareil photo, là, comme vous voyez ici, là, ce coin-là, vous connaissez, je pense. Et donc voilà, et honnêtement, ouais, je suis assez content. Et maintenant, j'adore faire des vidéos aussi, tout simplement parce que je suis très attiré par le montage vidéo. Hein, je le fais en autodidacte, hein, j'ai personne qui est là pour m'aider et tout, je le fais tout seul. Et voilà, j'achète le matériel, vidéo, caméra, choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je m'intéresse un peu également au milieu de la télévision, donc les jeux télé, hein. Surtout quand je vois la régie vidéo, les choses comme ça, tout, c'est vraiment des choses qui me plaisent. Le mixage sonore aussi, hein, tout ça. Et c'est pour ça que j'adore faire des vidéos, voilà. Et franchement, ça me plaît, et voilà. Et donc au départ YouTube, alors c'était pas une question de passion pour le montage vidéo, enfin le domaine vidéo que je faisais sur YouTube. C'était vraiment pour le fun, et puis à fond je me suis vraiment...
comment dire, intégré à ça, et depuis, c'est vraiment devenu une passion, quoi. Voilà. Je fais ça pour moi, pour me faire plaisir à moi, je fais ça également pour vous faire plaisir à vous. Voilà. Voilà, donc mes débuts sur YouTube, voilà, ça a commencé en décembre 2012, hein, je me suis inscrit le 9 décembre 2012, j'ai diffusé ma première vidéo le 10 décembre 2012. Donc c'était une session de Mario Kart 8, j'allais dire 8, non, Mario Kart Wii du 1er décembre 2012, non, du 8 décembre 2012. La première que j'avais faite, donc c'était le 1er décembre 2012, je l'avais filmée, sauf que elle était tellement pourrie que je ne l'avais pas mise, mais à un moment donné j'avais prévu de la mettre, sauf que là je l'ai perdue. Mais donc voilà, et franchement, bah, YouTube, je suis pas déçu du tout. Bon, mis à part les droits d'auteur et compagnie, ça c'est le problème de tous. Mais bon, on arrive à contourner le problème, donc bon, c'est pas non plus gênant. On fait plus très gaffe à ça. Et bah, je suis assez content. YouTube, franchement, j'y suis et j'y suis, j'y reste. Voilà. Bon, mais voilà, maintenant nous allons passer au best-of, hein, au bêtisier, au best-of. Et là, on va commencer par un petit best-of de mes coups de gueule, hein, de mes plus gros coups de gueule. Et bien moi, j'ai envie de dire, ah, les plus gros coups de gueule, c'est parti! La course sera finie. Putain de con, mais c'est pas vrai, comme par hasard. Pas toi, enculé de Luigi! Putain de marteau de con là! Mais à quoi ça sert ces machins? Ça sert à rien! Tiens, allez! Non mais c'est cache-pied quoi! Mais salope! À moins que j'arrive à. Putain, mais regardez-moi ça, il m'a poussé à 10 km! Allez, allez, oh putain, là j'ai bien dérapé là! Oh putain, mais le quatrième là! Ce con de Yoshi! Mais c'est toujours les mêmes qui sont dans la ligne des quatre quoi! Oh putain, j'y crois pas! Manette de putain, j'appuie sur A pour sauter! J'ai envie de. Je veux tenter. Saloperie de plantes! Mais non, ça va être les plantes! Alors là, faut pas rater le méga rebond. Enculé de bordel de. Putain! Un méga rebond de. Ah, quand y a plus les ennemis, voilà, chine. Mais pourquoi ce niveau de merde? Allez! Mais. Quatrième! Oh, enculé de Todd là! T'as mis comme par hasard, salaud! Pourquoi cette manette à la con n'a pas fait le méga rebond? Putain, il me reste plus qu'une tentative, eh! Regardez ça! Mais putain, de bord de merde! Oh putain, mais c'est pas vrai! J'ai pété un câble! Oh ta mère, c'est bon, j'en ai marre! Pourquoi là, il y a un truc en moi là, qui m'empêche de jouer correctement? Enculé! Enculé! Oh putain! Que c'est énervant! Mais que c'est énervant! T'es sur ta main, mais. Sois pas aussi rapide! Mais. Et ça arrive trop vite! Je rêve! Oh nickel, il est dead. Là, il est dead, voilà! Mais pourquoi il lui sort pas dessus? Mais est-ce qu'il le fait exprès, là? Ah, c'est bon! Là, j'en ai marre! Je vais y arriver. Oh putain! Oh putain! Oh putain, mais non! Ça. Putain, je vais péter un câble. Je vais péter un câble, les gars. Voilà, attention, c'est terminé, hein. Ah, ben voilà. Et voilà, on va terminer dernier. C'est une très bonne place. Ça me fout les boules. Et voilà. Fort bowling, encore une fois, un échec! Mais non! Non, non, non! Mais non! Voir la version. Oh, mais non, mais t'es, vous foutez de moi ou quoi là? Oh! Non, mais arrêtez de me cartonner comme ça, mais. Oh, motherfucking. Mais c'est pas vrai, mais oh! T'es, mais je me fais avoir de partout, mais comment voulez-vous, oh? Après les fameux coups de gueule, les fous rires. Et certains où j'étais accompagné par d'autres personnes, elles vont se reconnaître. Voyons voir. Mais que je suis con! Mais que je suis con! Non! Oh putain!
Non, t'as un fou rire, ça, mais t'es au courant, pas ça, pas ça. Non, attends. Et voilà. Il y a du bien ce mari. Bonjour. Et pourquoi je dis salut, là? Non, parce que Bowser mangeait du pain, voilà, ça fait pas trop. Putain, non. Sylvie, tu sors. Oui, je sors. Bowser, il mange du pain enflammé. Bon, elle est bien celle-là ou pas? Non, tu sors toujours, c'est toujours celui. Je sors. Tu attends. Mais si, attends, mais non. Vous plaisantez. Vous avez ramassé 10 000 pièces. Un nouveau élément du truc est disponible. Et là, je n'ai rien. Oh merde. Oh le con. Non. T'arrives. On s'affumait. Attends. C'est l'une des premières fois que j'ai un fou rire autant énorme dans une demi-vidéo. Parce qu'avant, on ne m'entendait que rager. Oh, oh, j'ai mal au ventre, ça y est, j'ai fait les abdos à force de rire là. Oh, oh, oh putain, j'ai les mains moites là, je peux plus te dire le gamepad là. Oh putain, non, non. Oh, 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 oh. On dirait que j'ai accouché. On dirait que... Et j'ai fait mal à la fin. Mais putain. Enfoiré. Là t'as presque la même voix que moi quand je gueule en plus. Mais quel point commun, hein. Celui-là c'était l'un des meilleurs en fait. Ah ouais, celui-là c'est sûr. Attends une seconde. C'est trop fort. Je m'achève. Merde. Attends. Oh putain. J'ai ma chaise qui s'est cassée. T'as entendu le bruit? T'as entendu le bruit de la chaise? Putain, elle est toute neuve pourtant. Mais attends, je veux dire, c'est pas une chaise de bureau, hein. Bon, c'est pas grave, j'en ai une autre. Tu vas la casser aussi. Je sais pas. Tu vas tout casser. Quand je te dis, c'est plus cartonné. Voilà. Ça sera la vidéo resto, ça. Oh bordel. Oh non, on ne pas. Dommage qu'on ne voyait pas dans la vidéo. Attends, je vais montrer la chaîne à la fin, tu vas voir, je vais la montrer. Elle est morte. Oh, je peux plus. Elle est morte. Son pied est mort. Mais c'est... Je l'entendais craquer. Et putain, j'en peux plus, ça y est, j'ai mal au cœur tellement je rigole. Putain, c'est... Mais c'est phénoménal, mais attends, qu'est-ce... attends, ça fait même pas une semaine que j'ai... En plus, vidéo, putain. Ouais, en plus. Et même mon appareil photo, il a basculé, tu vois, pour ça, alors... Il est parti,
Non, non, il est juste, il s'est juste penché en avant. J'en ai marre, je trouve. Voilà, ça, hein. Et voilà, la chaise qui n'a plus tenu le coup, hein, parce que elle est bourrée. Voilà. Oh là 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 là! Si ça, c'est pas beau! C'est ses lunettes, j'en suis sûr! Il a des lunettes qui lui permettent de ralentir le temps! C'est incroyable, mesdames et messieurs! Le jour où un homme fera ce genre de choses. Putain, connard! Vous avez vu cette tentative? Du sambouling est un tricheur. Souvent dans les séries télévisées ou même sur YouTube, il y a les scènes coupées dont vous n'avez bien sûr jamais vu. Moi aussi j'en ai pour vous. Pas beaucoup malheureusement, d'autres que j'ai perdu. Mais voici un début de vidéo dont vous n'avez jamais vu. C'était lors de la vidéo spéciale des découvertes du DLC de Mario Kart 8. La Wii U devait forcément faire la longue mise à jour pour pouvoir jouer avec les DLC. Alors que tout l'équipement de tournage était prêt, moi de mon côté, j'avais bien des boules. Et bonjour à tous, c'est Mister Bowling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir, donc on va découvrir ensemble le DLC. Le DLC... Non, c'est quoi ces conneries encore? Non, pas encore une mise à jour, là, putain. Oh, fuck you, man. Fuck you. Fucking shit. Motherfucker! C'est incroyable. Culé. Ah, moi. Moi, je pense que je vais faire grève, hein. Bon, c'est bon, je vais faire la grève de jeux vidéo. J'en ai rien à foutre. J'arrête. Voilà. Et c'est bon, hein. Je rappelle la sécurité, hein, parce que... Non, mais attendez. Eh oh, c'est bon, hein. Allô, la sécurité. Oui, voilà, j'ai un problème. C'est que là, j'en ai marre, là. Je suis en train de jouer sur New Super Luigi U et... Et là, c'est plus possible. Moi, je fais grève, hein. Je peux rejoindre votre groupe. Ok, très bien, allez, à plus tard, allez, ciao, ouais. Non, mais alors, qui se prennent, là? Je fais grève. Je fais réellement grève, maintenant. J'ai pas honte de le dire, je fais grève, oui, messieurs. Salut à tous! Toi, ta gueule, toi!
Nous arrivons en fin de cette émission et donc pour finir, comme promis, la fameuse FAQ, la foire aux questions, les question answer. Donc voici à peu près toutes les questions que l'on m'a posées. Donc il y a au moins une page déjà recto verso, hein. Donc voilà, et des dernières questions sur une autre page. Donc je vais commencer, j'ai classé donc les questions un peu dans l'ordre, celles qui me paraissent, on va dire, sans vouloir être méchant, mais peut-être les plus intéressantes à répondre vers la fin. Donc comme on dit, le meilleur pour la fin. Donc c'est parti pour la FAQ du Mr. Bowling. Alors, question de Titi 145, tes séries télévisées préférées? Je pourrais dire, bien sûr, Les Simpsons et Un gars et une fille. Théo TK me demande, aimes-tu Black M et quelle est ta chanson préférée de Black M? Alors, Black M, ce n'est pas un chanteur que j'apprécie particulièrement. Pas, enfin, pas en tant qu'être humain, mais en tant que chanteur du fait que ses chansons ne m'intéressent pas. Je crois que c'est du rap, donc le rap, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et donc, et ta chanson préférée de Black M, ben, forcément, ben, je n'en ai pas. Vings Daft Punk, cher Vings Daft Punk, me demande, d'où t'es venu l'envie de faire tes dessins depuis ta jeunesse et sur le site, en parlant d'Hooper.fr? Eh bien, j'ai commencé à faire mes dessins, enfin, j'ai, dans ma jeunesse, avec mon tonton, qui savait très bien dessiner, qui m'a appris. Et ça m'a plu, et à force, ben, je me suis mis à dessiner. Et puis voilà, et du coup, après, comme j'ai eu un peu de talent, sans vouloir me vanter, de déjà rien qu'à l'école primaire, tout le monde disait que j'étais le meilleur dessinateur de l'école, bon, pas trop non plus exagéré, bon, c'est vrai que je dessinais assez bien avant, et depuis que j'ai commencé à bien dessiner tout, après je me suis dit, ben pourquoi pas faire des dessins sur le site Hooper.fr, pas forcément pour Hooper lui-même, mais surtout pour montrer mes talents de dessin, et voilà, c'est comme ça que je me suis mis à faire des dessins sur le site, donc sur la section fanart, dont vous pouvez toujours aller voir. Ensuite, Monsieur Crevette 84, alors me demande, alors, quel est ton personnage préféré de chez Nintendo? Alors, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, hein. Bon, alors, je vais dire Luigi. Aimes-tu le Hobbit et les Seigneurs des Anneaux? Non, ce ne sont pas des séries de films que j'apprécie. Ce genre de film-là, c'est pas quelque chose qui m'attire. À l'école, on m'avait déjà fait une remarque, pas à l'école, à une de mes formations. Des jeunes m'avaient fait la remarque comme quoi je n'aimais pas ces séries-là. Donc non, moi j'aime ce que je veux et ce ne sont pas des séries qui m'attirent particulièrement. Non. As-tu fait des compétitions de bowling? Non, malheureusement, toujours pas. Pour l'instant, je ne peux pas parce que le club de bowling, donc il est à Bordeaux. C'est vrai que quand on n'a pas de voiture, c'est pas très pratique parce que moi je suis tributaire des horaires de bus. Donc, mais par contre, lorsque j'aurai les moyens vraiment de me déplacer en voiture et tout, ben là, je m'inscrirai à un club et j'irai faire des compétitions de bowling, que ce soit en France, dans ma région, et même, pourquoi pas, en Europe. J'ai commencé déjà à faire l'école de bowling, mais je n'ai pas pu continuer. Et donc, voilà. Et ensuite, il m'a dit que... Monsieur Crevette84 m'a dit que j'adore tout ce que tu fais, et ben moi, ça me fait plaisir. Je te remercie. Alors ensuite, on passe aux questions de Anti-Mario 11. Alors là, il y en a beaucoup plus. Alors, première question. Dans tes prochaines vidéos de Fort Bowling, pourrais-tu, au début de la vidéo, faire le bip bip du juste prix? Alors, déjà, petite rectification pour les plus jeunes d'entre vous. Pour ceux qui ne savent pas, le bip bip n'est pas, de Vincent Lagaffe, n'est pas apparu dans le juste prix, hein. Vincent Lagaffe a fait cette expression plusieurs fois dans ses anciennes émissions, qui datent des années, 90, hein. C'est-à-dire, l'or à l'appel, le Big D, le drôle de jeu, hein, voilà. Donc, ça n'est pas apparu dans le juste prix de 2009, hein. Je préfère juste le signaler. Et, feras-tu le bip bip? Non. Parce que ce serait un peu comme du plagiat envers Vincent Lagaffe. Donc, non, je ne ferai pas le bip bip. Surtout dans Fort Bowling, ce n'est pas vraiment en adéquation. Et, non, je ne ferai pas le bip bip même dans les autres vidéos. Parce que ce serait un peu plagié Vincent Lagaffe. Donc, non, je ne ferai pas le bip bip de Vincent Lagaffe. Bon, là je l'ai fait là, mais ça compte pas. Ensuite, dans le futur, testeras-tu un jeu Zelda? Je ne sais pas, parce que les Zelda, là aussi, ce n'est pas non plus de séries qui m'attirent, hein, de jeux qui m'attirent. Donc je ne sais pas si je vous ferai un jeu Zelda au Link dans le futur. Je ne sais pas pour l'instant. Quel est ton chanteur préféré? Oh, allez, je pourrais dire Bob Marley. Est-ce que l'émission Le Juste Prix commence à te manquer? Bah, pas forcément, parce que avant je regardais souvent, mais là après j'ai moins se regarder. Mais de toute façon je suis au courant que le juste prix va, de toute façon j'ai entendu dire que le juste prix va revenir en 2015, donc là pourquoi pas je regarderai. Mais sinon non, ça me manque pas parce que je regardais plus trop. Par contre, j'ai entendu dire que le Big Deal pourrait revenir sur D8,
Ça serait vraiment bien. Par contre, il faut absolument que ce soit avec Vincent Lagaffe. Parce que si ce n'est pas avec Vincent Lagaffe, ça ne pourra pas être le Big Deal. Même s'il y aura Bill, si ce n'est pas présenté par Vincent Lagaffe, ça ne pourra pas s'appeler le Big Deal. C'est pas possible. De quelle session de Mario Kart Wii, où j'étais présent, gardes-tu le meilleur souvenir? Ben, c'était une session qui s'était déroulée en mars 2013. Et il y avait JM, il y avait Touillon, il y avait moi, il y avait toi bien sûr, et d'autres participants, il y avait Mina il me semble, il y avait Hooper, enfin voilà, c'est une session officielle du samedi soir. Et rappelez-vous, c'était une session, JM et Touillon s'en souviennent, c'était une session bordélique du fait qu'il y a eu des déconnexions de partout. À l'époque, c'était encore le système du groupe A à 20h15 et du groupe B à 21h, et nous c'était le groupe A, et on avait commencé quasiment comme le groupe B à 21h, parce que à la base c'était Florian puissance 5 qui devait héberger. Sauf qu'il a été des cons, après on n'a plus de nouvelles de lui pendant un certain temps. Et du coup, JM a pris sa place pour héberger, c'était un gros bordel. Le Touillon était déco de partout, moi aussi ma Livebox avait planté au départ. C'était un énorme bordel, je m'en souviendrai de cette session. Ouais. Donc c'est cette session-là que je garde le meilleur souvenir. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, alors je n'ai pas de film préféré particulier, mais j'aime beaucoup les Astérix et Obélix. Par exemple, Mission Cléopâtre. Retour vers le futur, la trilogie. Bon, à part le troisième que j'ai un peu moins aimé, mais les deux premiers étaient excellents. Les Ripoux avec Thierry Lhermitte et Philippe Noiret. J'aime surtout les films comiques. Donc après, mon film préféré. Bon, après Bienvenue chez les Ch'tis qui était marrant. Bon après, bon voilà, c'est à peu près tout ça que je vous citais. Hein. Si tu étais un personnage de manga, lequel serais-tu? Bah là également aucun, hein. Bah parce que je ne suis pas attiré par les mangas tout simplement. À part alors c'était un manga mais après qui est devenu un dessin animé, ça s'appelle Détective Conan, je pense que vous connaissez. Donc ça j'ai vachement aimé, j'ai même des DVD de ça. Ensuite, quand feras-tu ta vidéo spéciale 2 ans sur Hooper.fr? Parce que ça commence à dater. Ben justement, je n'en ferai pas. Tout simplement parce que je n'ai pas grand chose à dire sur mes 2 ans sur le site. En ce de ça, j'étais un peu déçu du site ces derniers temps. Grosse lassitude. Et avec toutes les embrouilles qu'il y a eu avec JM et tout, vous voyez, ça m'a un peu refroidi. Parce que je trouve que JM est maintenant quand même assez haï sur le site. Et moi, je trouve ça dommage parce que c'est juste un combat de gamin. Et enfin, je dis pas ça, c'est pas une critique, hein. Ouais, donc voilà, c'est vraiment dommage, hein. Il y a vraiment eu des conflits et tout, enfin voilà, des clashs et tout, vraiment inutiles. Tout ça à la base à cause de ça, hein. Et franchement, voilà, c'est dommage parce que... Je vois que souvent, ils critiquent. Il y a le site, j'étais vraiment déçu. Je trouve qu'il y a... Alors, je vais reprendre un peu peut-être les mêmes... le même avis que JM, mais ce sont mes avis à moi. D'accord? Je les ai pas repris de... Parce que c'est pas parce que JM, je suis très ami avec JM, que forcément, je vais être d'accord avec tout sur lui. On peut très bien ne pas être d'accord sur certains trucs. Mais là, je suis d'accord avec lui sur Hooper.fr. Mais donc, c'est pas parce que je suis ami avec lui que je vais forcément reprendre ses avis à lui. Je prends mes avis de moi. Je trouve quand même qu'il y a du favoritisme sur le site. Hein. Même si j'étais plutôt accepté. Hein, je dis pas ça voilà, par reine. Hein. Je dis juste mon ressenti sur... Je parle surtout sur l'ensemble du site. Hein. Globalité, hein. Même peut-être sur les membres que je ne connais pas, mais certains voilà, bon voyez, j'étais devenu un peu trop sévère sur le forum, voilà, pas faire de food et tout, et envers les nouveaux membres parfois il m'arrivait de faire des réflexions, hein, et j'étais devenu con, mais vraiment con, et voilà, à cause du site, c'est parce que certains trucs c'est à cause du site, donc du coup je suis vraiment déçu. J'ai quand même fait de très bonnes rencontres sur le site. Hein. Mais voilà, je vois la mentalité parfois de certains membres, même que je ne connais pas, mais je vois quand certains postent, mais bon, comme ça quoi, frivole. Non, mais ça me déçoit. Par exemple, je trouve que pour certains membres, Hooper, c'est un peu le gourou quoi. C'est un peu le gourou, voilà, c'est un peu une secte vidéoludique quoi, limite. Hein. Voilà, Hooper, repose-toi bien et tout, et c'est bon. Hooper, il fait que des vidéos, hein, c'est tout. Certains le considèrent un peu trop, voilà, c'est ça qui. Bon, qui m'agace un peu, quoi. C'est bon, Hooper, ce n'est pas le roi du monde, les mecs. Hein, Hooper, c'est un vidéotesteur, voilà. Il a créé son site, ben, il y en a plein d'autres qui ont créé leur site, hein. C'est pas un exploit, hein. Regardez, moi, si je crée mon site, je vais pas non plus, voilà, ben, je sais bien, j'ai créé mon site, c'est sympa. Voilà. Et c'est tout, c'est ça, j'étais déçu du site, et voilà, et...
Et franchement, non, j'étais déçu, donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo 2 ans. Je ne ferai même pas de vidéo spéciale 3 ans tout, je ne ferai pas. J'ai fait la spéciale 1 an, bon, quand même. Parce qu'il s'est passé grandement de choses, là, en 2013. Mais en 2014, il s'est passé moins de choses, hein. Bon, il y a eu Mario Kart 8, il y a des nouvelles sessions et tout. Mais sinon, voilà, j'ai fait quand même, bon, j'ai quand même fait la rencontre de certains membres. De très bons membres. Mais sinon, bon voilà, je n'ai vraiment pas envie de faire une spéciale 2 ans juste pour le site. Je n'ai vraiment pas envie de ça. Et voilà, c'est pour ça, hein, j'étais un peu déçu, hein, voilà. Pas des membres en eux-mêmes, mais bon voilà, globalement quoi. Mais sinon, je m'entends toujours bien avec les membres et tout, donc y a pas de souci. Mais je préfère faire des remerciements là, dans cette vidéo, ce que je vais faire tout à l'heure, que une spéciale 2 ans ou Hooper.fr, je n'ai pas envie. Hooper.fr, ce n'est pas le meilleur site au monde, c'est pas le meilleur, hein. Parfois faire, c'est juste un foutu site de jeux vidéo et puis basta, c'est tout. Voilà, là je vous ai ça, vous ne le saviez pas. Voilà, là je vous ai vraiment dit ce que je pensais du Hooper.fr. Alors ensuite, le dernier film que tu as vu au cinéma et quand? Ben c'était le film Les Trois Frères, Le Retour. Ben je l'ai vu lors de sa sortie. Alors c'était en 2014, je crois que c'était vers avril, il me semble. Je ne sais plus trop. Ben je l'ai vu à la période de sa sortie. Un film excellent, hein. Donc qui était le deuxième film après le premier de 95. Bon, même si je préfère plus celui de 95, mais celui-là était bien également. Ça m'a fait plaisir de revoir Michael, qui est maintenant un adulte, hein. Et ouais, c'était vraiment de les revoir, là. Bon, malgré ça, ils ont arrêté, là, ils ont arrêté le groupe, enfin, les trois frères, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques négatives de la part des internautes. Donc, c'est vrai qu'ils en ont eu marre, ils ont dit, bon, on arrête. Ça, je trouve ça dommage. Mais sinon, ouais, le dernier film que j'étais voir au cinéma, c'était Les Trois Frères. J'aurais bien voulu aussi aller voir le film de Rémi Gaillard. Il a sorti un film, mais il n'est pas passé chez moi. Dommage. Ton livre préféré? Bon, je n'ai également pas de livre préféré. Mes livres, les livres que j'aime le plus, donc, sont des bandes dessinées. Donc, par exemple, ben, Titeuf, Tintin, Gaston Lagaffe, ouais, c'est sympa. Garfield, ah oui, Garfield. L'élève du Cobu, ouais, plein d'autres, quoi. Voilà. Surtout les BD, puis également des BD des Simpsons que j'ai. Hein. Voilà. Tac tac tac, et ensuite il me demande, feras-tu une web série? Bah, une web série, je pense peut-être en avoir, enfin, j'ai pas envie d'appeler ça, vous savez, j'ai créé, par exemple, Mr. Bowling Series, c'est une série sur le web, sur YouTube, mais je n'ai pas envie de considérer ça comme une web série, vous voyez, une web série, j'ai pas envie de considérer ça comme ça. Pour moi, c'est une série, voilà, comme ça, de YouTube, mais j'ai pas envie de considérer ça comme une web série, comme font, on va dire, peut-être des podcasters ou je sais pas quoi, je n'ai pas envie d'être dans ce domaine-là. Je suis plus comme un domaine de jeu télévisé, moi, vous voyez, donc, pas une, moi, je considère pas ça comme une web-série. Donc, non, je ne ferai pas non plus de web-série, hein, voilà. Voilà, alors, on a terminé avec les questions de Anti-Mario 11, maintenant, on passe avec celle de Anatar78, donc, ou alias Rio de Janeiro, enfin, vous le connaissez. Mais donc, quelle est ta console préférée? Bah, j'en ai plusieurs, moi, de préférées, la Super Nintendo, la Wii U, la Wii, la PlayStation 2. Voilà. Ton jeu préféré? Ouais. Alors, question qu'on m'a posée plusieurs fois. Ouais, je pourrais aller citer Super Mario 3D World sur Wii U. Es-tu plutôt next-gen ou rétro? L'un des deux, ça dépend. Je suis un peu les deux. Bon, next-gen surtout parce que c'est très amélioré, bien sûr. Et rétro, bon, ben pour les anciens jeux qui étaient très bons. Hein. Donc, je suis un peu les deux. Je suis entre les deux, je suis neutre, quoi. J'aime bien le rétro, j'aime bien le next-gen, j'ai pas de préférence, plus de préférence pour un ou pour l'autre. Penses-tu refaire des vidéos IRL en plein jour ou en nuit, ou en pleine nuit complètement what the fuck, comme celle où tu pars avec ton vélo en pleine nuit à 2h du matin? Ben, oui, mais depuis que j'ai là, on va dire, que je l'ai avoué à ma mère, pas qu'elle a mal pris, mais bon, c'est vrai que, imaginez qu'elle me voit plus pendant la nuit et tout, elle pourrait paniquer. J'ai pas trop pensé à ça, c'est vrai que, à force, c'est vrai que ça m'a un peu remis la puce à l'oreille, parce que je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il faudrait quand même que je fasse gaffe avec ce genre de choses, parce que chez moi, bon, je suis pas en pleine ville et tout, mais il s'est quand même passé des choses, même en pleine nuit chez moi, enfin dans ma ville, par exemple, il y a 15 ans, il y a un SDF qui s'est fait torturer par des employés d'une pizzeria, dans le centre-ville, là, pas très loin d'ici. Et qui s'est vraiment fait torturer, ils ont fait des choses horribles. Il est mort, hein, le type. Hein. Ils ont fait vraiment des choses horribles. Je vous raconte pas parce que c'est, j'ai pas envie de gâcher la vidéo avec ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe. Donc je pense plus partir non plus à 2h du matin comme je l'ai fait. Je l'ai fait une fois, voilà, ça ira.
Je l'ai fait une deuxième fois où je me suis fail avec un chien. Un chien, ouf, ouf, ouf. Et non. Mais je, quand même, je continuerai à faire des vidéos complètement what the fuck, même en plein jour, hein. Un peu comme le même type que celle de The Angry Grandpa, des vidéos un peu connes comme ça que je ferais peut-être avec des amis. Mais voilà, faut que je trouve des idées, mais j'en ferai. Voilà. Ne vous inquiétez pas, des vidéos what the fuck, je continuerai à en faire. Donc voilà, j'ai terminé avec les questions de Anatar, et maintenant une question de Boysy CH16, un bon avec qui je parle beaucoup sur Skype, et qui est un membre du site bien sûr. Es-tu satisfait de la nouvelle façon de construire tes vidéos? Oui, je suis assez content, je trouve que je me suis amélioré, que ce soit au niveau montage, question mise en scène, donc ouais, je suis assez content de ma nouvelle façon hein, de construire mes vidéos, ouais. Et je pense à réfléchir à de nouvelles mises en scène, choses comme ça, à avoir quelqu'un qui pourrait m'aider, qui pourrait être mon caméraman, hein, parce que pour l'instant, je me débrouille, je fais tout seul. Donc, je suis assez content de ma nouvelle façon de construire mes vidéos. Voilà. Ensuite, on passe aux questions de Monsieur Florian Puissance 5. Ah, toi, mon petit Florian. Ah, celui qui me troll, là. Alors, quels sont les membres que tu aimes le plus? Donc, là, il me parle également du membre de Hooper.fr. Donc, ben, toi, hein, tu fais rien. Monsieur Titi145, avec qui j'en ai plus de 3000 messages dans notre MP qui dure depuis plus d'un an. Doudoud, ou Doudou, enfin, sur le site, là. Doudou. Ouais, après, ben, il y avait, bien sûr, GIM, bon. Alors, du fait, je pars, même s'il n'est plus sur le site, comme je l'ai rencontré sur le site, donc, ça compte, voilà. Ensuite de ça, il y a Black Scorpio, il y a Touillon alias Blue, il y a Vinx Daft Punk, il y a Beyond, Buka, Ducky, il y a qui d'autre, il y a Alamos, il y a Steel Polo, Olaf Grosse Barbe, Delta Lucky, donc là ce sont des nouveaux membres, je sais pas, il y a XP3 qui est sympathique, bon, avec qui je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui est sympathique. The Sonic 972, je crois que c'est. Je suis désolé, mais je peux pas non plus citer tout le monde parce que sur le coup, je m'en souviens pas, mais bon, c'est pas par. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, je pense à vous quand même. Il y a qui d'autre oh là là. Vous savez, il y en a tellement de membres. Avec qui quand même j'ai été en contact. Hein. Donc voilà, là je vous ai vraiment dit à peu près les membres avec qui je parlais le, enfin qui je m'entends le mieux. Hein. Il y a également Chantilly 87. Voilà, Chantilly 87. Vraiment plein de monde. Hein. Je peux plus me souvenir de tout le monde. Il y a Mevius également. Il y en a. Voilà. Ensuite, ton jeu favori, bon ben comme l'a demandé Anatar, bon ben Super Mario 3D World. Ta manette favorite, je pourrais dire la manette de la PlayStation 2. Quelle avait été ta réaction face à la défaite cuisante que tu as eue face à Florian dans ton duel? T'en es-tu remis? J'avais rigolé. T'en es-tu remis? Mais je m'en fous de perdre ou de gagner, je m'en fous hein. Mais ça me fait un peu chier quand même, surtout face à toi là. Est-ce que tu es contrarié du fait que tu sois nul dans tous les jeux? Non, je m'en fous. Quelle est ta réaction face au fait que Florian te batte dans tous les jeux? Je m'en fous. Mais j'ai un peu les boules quand même. Avec qui voudrais-tu faire des IRL? Ben vraiment avec les membres avec qui je m'entends le plus. Hein. Avec les personnes avec qui je m'entends le plus. Voilà. Ton plat préféré? Allez. Comme je suis un peu de sang italien, allez, j'aime beaucoup les pâtes. La pizza, voilà. Ton sport préféré? Bon, bien sûr, le bowling, hein. Alors, je pratique également un art martial qui s'appelle Okido. Ensuite de ça, je fais, bon, de la natation. Bon, c'est pas une passion, mais je fais ça juste pour mon bien. Et surtout parce que la caissière de la piscine est jolie. Enfin, voilà. Ensuite de ça, je fais de la natation, je fais du vélo. Ouais, puis voilà, ça, et puis un peu de musculation, quoi, des pompes, choses comme ça. Alors, ensuite de ça, ton personnage préféré dans Fort Boyard? Bon, mais bien sûr, c'était la boule. Ah, la boule! Alors, la boule, bah, même s'il est mort, bon, bah, ça restera toujours mon personnage préféré, hein, pour moi, ça fait quand même 20 ans qu'il était, donc, hein. Bon, après, le Perfoura, Passe-Partout, Passe-Muraille, l'ancien passe qu'il y avait, c'était, Passe-Temps, qui s'appelait également Alain, comme moi, Alain Prévost, bon, mais que j'aimais beaucoup. Félindra, enfin voilà, c'est à peu près cela, quoi.
Ton top 3 des jeux que tu aimes le plus. Allez, Super Mario 3D World, Mario Kart, enfin Mario Kart, lequel j'aime le mieux, bon, peut-être Mario Kart 8, mais bon, bon, la série des Mario Kart, et puis, oh, et puis, allez, donc, Donkey Kong Country, voilà. Voilà, allez, j'ai terminé avec les questions de ce petit Florian puissance 5, et maintenant, on passe aux questions, bien sûr, de Alexandre du 41, ou alias, j'ai mal au cul, j'ai mal au cul, j'ai mal au cul. Alors, quel souvenir gardes-tu des sessions de Mario Kart Wii organisées sur report.fr? J'en garde un très bon souvenir quand même, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'était sympa, c'était sympa. En tant que grand fan de bowling, est-ce que cela ne t'a pas foutu les boules de te faire autant striker pendant les sessions de Mario Kart Wii? Oui, un peu quand même si je m'en fiche un peu quand même, hein. Voilà, comme ça. Normalement, c'est moi qui devrais striker les autres, hein. Ensuite, sur le topic des sessions de Mario Kart 8 sur Port.fr, énormément de personnes qui étaient relativement actives sur le topic de Mario Kart Wii ont désormais presque abandonné les lieux, ou ne viennent que très rarement participer à des sessions. Comment expliques-tu cela? Bien déjà, peut-être, parce que certains n'avaient pas encore la Wii U, donc ne sont pas encore là, ne sont pas encore revenus. D'autres se disaient, bon, moi je vais jusqu'à Mario Kart Wii, mais après j'arrête, même s'il y a Mario Kart 8, j'arrête, je pense, des gens comme ça. Ou également la lassitude de faire des sessions, même si ce ne sera plus sur le même jeu, le même opus, bon, bah, peut-être quand même la lassitude du site, des choses comme ça. D'autres une perte de temps, d'autres, voilà, des choses comme ça. Et donc voilà, et ou alors, ce que je disais, certains, ben, ils n'avaient pas encore la Wii U. Et devait attendre, mais donc du coup, n'était plus trop actif sur les topics, et ou d'autres vraiment qui étaient vraiment à fond dans Mario Kart Wii, et pour eux Mario Kart 8 c'est moyen, quoi. Voilà, des choses comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'explique cet événement. Alors ensuite, de quel épisode de Fort Bowling as-tu le meilleur souvenir? Bah déjà, moi je pense celui de Super Mario 3D World. Parce que celui que j'avais le mieux tourné, je trouve, et ouais, c'est celui-là dont, en plus de ça, les conditions de tournage n'étaient pas faciles, parce que ce jour-là, il pleuvait et tout, et ouais, non, je trouve que c'est celui que j'ai le plus réussi. En plus de ça, j'avais fait une victoire, donc, pour une fois. Que penses-tu du fait que certains youtubeurs déjà extrêmement connus et populaires continuent à être autant mis en avant par YouTube et injustement favorisés au détriment des autres youtubeurs? Donc, ben, c'est vrai que moi, je trouve quand même que c'est assez injuste. Bah oui, moi, je trouve ça injuste. C'est même limite discriminant, quoi. Voilà. Genre, Cyprien, Norman et compagnie, eux, voilà, il faut, voilà. Mais les autres, non, mais vous, ouais, vous, c'est nul, cassez-vous, quoi. Voilà. Donc, je trouve que c'est comme ça, quoi. C'est pour ça, moi, vous savez, les vidéos de Cyprien, Norman et compagnie, je regarde presque pas, quoi. Je dis pas ça en tant que critique, mais c'est tout. Enfin, si, ça peut m'arriver quand même de regarder parfois les vidéos de Cyprien, mais que comme ça. Mais pas par comme ça, hein, pour passer le temps, pour voir un peu ce que ça donne et tout. Mais je ne rigole pas énormément. Hein. Et puis, ce qui m'énerve le plus quand même, c'est abonne-toi. Non, ça m'énerve. Non, voilà. Mais non, moi je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste. Certains, il y a des youtubeurs qui sont quand même assez connus, mais qui ne se la pètent pas non plus. Et d'autres qui sont trop mis en avant, mais bon. Mais à force ou ça, je m'en fiche un peu. Moi, je continue mes vidéos et tout. Je fais pas gaffe aux autres youtubeurs qui sont ultra connus. Ça me gêne pas du tout. Hein, ça m'empêche pas de continuer mes vidéos. Voilà. Voilà. Alors ensuite, tac, tac, tac. T'imagines-tu faire des vidéos sur YouTube dans 10 ans? Oui. Bah oui. Moi, YouTube, faire des vidéos, c'est vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une passion. Donc, dans 10 ans, je serai encore là sur YouTube. Le strike sera toujours là sur YouTube. Alors ensuite, que penses-tu de la région Aquitaine, points positifs et négatifs? Ben pour moi, la région Aquitaine, c'est une région que j'adore. De toute façon, c'est ma région natale. C'est une région que j'adore, que ce soit par son emplacement et voilà, même le décor, les environnements, choses comme ça. D'accord, nous ne sommes pas loin du Fort Boyard, oui, je sais. Mais non, mais j'aime beaucoup cette région.
pas de point négatif là-dessus. Voilà. Hein. Bon, peut-être parfois un peu, peut-être la mentalité de là où je suis, la mentalité des habitants un peu. Hein, voilà. Hein. Ça, c'est dommage. J'ai une petite mentalité de merde là où je suis, mais bon, tant pis. Mais sinon, voilà. Parce que si vous voulez, ici, c'est surtout, voilà, la ville où je suis, ils pensent qu'à leur ville, mais pas aux autres, quoi. C'est chez nous. Et c'est un peu, ouais, ils sont un peu cons, quoi. C'est une mentalité conne, hein. Voilà. Hein. Mais sinon, la région Aquitaine, maintenant je parle de la région. La région Aquitaine, c'est vraiment une région que j'aime bien, que j'aime beaucoup, même. Voilà. Pas vraiment de points négatifs là-dessus, sur cette région, plus que de points positifs surtout. Si tu devais aller passer des vacances à l'étranger, lequel ce serait? Ben, moi, j'aimerais bien aller aux États-Unis, j'aimerais bien aller au Québec, j'aimerais bien aller au Royaume-Uni, j'aimerais bien aller en Allemagne, j'aimerais bien aller... c'est normal, en Russie! J'aimerais bien aller au Japon, j'aimerais bien aller aussi au Sénégal, parce que j'ai de la famille là-bas, je vous l'ai dit, je suis d'origine sénégalaise du côté de mon père. Bah, malgré ça, ben pourquoi je ne vais pas dans tous ces pays-là? Bon, à part peut-être, j'aimerais aller aussi en Italie, mais à part ces pays-là d'Europe, pourquoi je ne vais pas par exemple aux États-Unis, au Québec, ou je sais pas où, ou au Sénégal? Ben tout simplement parce que j'ai peur de l'avion. Ben oui, voilà, c'est tout. J'ai la phobie de l'avion, hein. C'est au cas où il y a un problème, c'est un peu foutu, quoi. C'est ça, quoi. Même si c'est le moyen le plus sûr du monde, c'est pas une raison, quoi. Non, c'est tout simplement parce que j'ai peur de l'avion. On va me dire, bah, tu l'as jamais pris. Oui, mais même, c'est pour ça que j'ose pas le prendre, parce que j'ai peur de ça, voilà. C'est tout. Ensuite, alors là, c'est quelque chose, c'est qu'il me demande d'imiter, un personnage. Ça, je vous l'ai dit, je le garde pour la fin. Et ensuite, si j'achète la Wii U et Mario Kart 8, est-ce qu'on se fera un petit duel, ou voir un super grand duel en souvenir de Mario Kart Wii? Oui. Et le perdant, ce sera moi! Donc là, on va passer à la dernière personne à m'avoir posé des questions. Il s'agit de Doudou. Excuse-moi, il y a Yannick aussi. Yannick. Donc Yannick qui me demande... Quel fut ton premier jeu vidéo? Je peux plus vous dire lequel c'était parce que j'ai la Sega Master System 2 qui était ma première console de jeux vidéo avec des jeux Sonic, Donald Duck et compagnie. Sinon j'avais un cousin d'Alliance qui m'avait fait découvrir les jeux vidéo. Alors sur quelle console et sur quel jeu, là on va savoir. Ça doit être sûrement sur la PlayStation 1. Mais mes premiers jeux vidéo ça devait être des jeux Sonic, voilà, auxquels j'ai eu moi, voilà. Et sinon à l'époque j'ai un pote qui était fada de jeux vidéo avec sa Super Nintendo, je jouais à Donkey Kong Country, Super Mario Kart et compagnie, je m'en souviens, ça, de gros souvenirs. Et ensuite de ça il me demande pourquoi cette passion pour le bowling. Eh bien j'adore le bowling tout simplement parce que déjà le jeu en lui-même, lancer une boule pour faire tomber des kicks qui sont à 20 mètres, c'est un jeu de précision, un sport de précision, ça me plaît beaucoup. L'environnement, hein, les pistes et tout, l'environnement, le décor. Le geste, le lancer de la boule et tout, le déplacement. Et ensuite de ça, l'ambiance sonore, hein, le bruit des quilles, le bruit de la boule qui se passe sur la piste, mais surtout le bruit des quilles. Je suis assez spécialiste, d'ailleurs je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Donc voilà, déjà tout ça. Et également, le côté plus technique dans ce qu'il y a derrière dans la machinerie. Donc les machines qui remplacent les quilles, qui renvoient les boules. Moi, j'ai fait un stage au bowling à Bordeaux en 2013, en juin 2013. J'étais vraiment aux anges, mais vraiment aux anges. Bon, je faisais que 4 heures par jour, mais je m'en souviens. Je commençais à 14h, je terminais à 18h. Mais dès que je voyais qu'il était bientôt 18h, j'étais dégoûté parce que je voulais rester, quoi. J'adorais ça, j'étais vraiment aux anges, mais plus qu'aux anges. C'était dans les machines AMF 8970. AMF, c'est quoi? C'est une très grande firme de bowling dans le monde. C'est comme Nintendo, Sega, mais là c'est pareil avec le bowling. AMF, il y a également le Brunswick, concurrente d'AMF, hein, également société internationale de bowling. Avec leurs propres machines, il y a les Brunswick A2 et tout. Après, il y a les AMF 8270, les 8230, les 8290. Enfin, je suis vraiment très connaisseur là-dedans. Et voilà, c'est tout ça qui me plaît. Puis également les compétitions qu'on voit, les joueurs jouer et tout. C'est vraiment... T'as coup, les joueurs pour l'entraînement, ils commencent tous à jouer là. Et je peux vous dire que ça y va. Question bruit là. Là, on entend. Là, ça fait du bruit. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore le bowling. Et pour précision, j'ai commencé le bowling en août 2009.
ça devait être vers le 7 août 2009. Je m'en souviendrai. Oh là là. Voilà, et puis maintenant, on passe aux questions de Doudou, de la marmotte, Doudou, la marmotte, ou voilà. Alors, aimes-tu les dessins animés Disney et quel est ton Disney préféré? Oui, j'aime bien les dessins animés de Disney. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé les Mickey, j'ai même quelques cassettes, hein. J'ai bien aimé, c'était Fantasia, il me semble, avec Mickey et les balais, là. Il y avait plein d'autres, je me souviens, quand Mickey, Donald et Dingo, ils étaient dans une grande tour, une horloge là avec une cloche là, une cloche, et puis qui la nettoyait, puis il y avait les automates qui venaient frapper la cloche, et puis ils étaient là, enfin c'était assez marrant comme épisode, je m'en souviens. Et ouais, puis il y avait quoi d'autre? Ouais, après j'aime bien Dingo, Daffy Duck. Non, Daffy Duck c'est Looney Tunes, je suis con. Enfin voilà, non, j'aime bien Donald Duck et compagnie. Enfin, oui, je ne me souviens plus des films, mais c'était de beaux films. Par contre, il y a un film donc qui a été réalisé avec Disney, il me semble, c'est Rasta Rocket. Ce sont des Jamaïcains qui vont faire du bobsleigh aux Jeux Olympiques d'hiver, et tout le monde est surpris de voir des Jamaïcains qui viennent donc forcément d'un pays chaud venir faire du bobsleigh en pleine neige, dans le froid et tout. C'est un excellent film, hein, que j'ai en DVD là, que j'avais à l'époque en cassette. Vraiment un excellent film, un très beau film. Vers la fin est vraiment émouvante. Et qui a été fait avec Disney, voilà. C'est un vieux film. Préfères-tu les gros, les gaufres ou les crêpes? Si, je veux ton avis. Les deux. Je n'ai pas de préférence, j'aime les deux. J'adore les deux. As-tu un personnage de jeu vidéo, Nintendo, Sega, Sony, que tu apprécies en particulier? Donc, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, Luigi. Ben, j'aime bien Luigi parce qu'il est malchanceux comme moi. Enfin, il est marrant. Voilà. Également, le roi Bou. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir si jamais dans un pur et simple hasard, tu en recevais un? Avoir tout ce que je veux. Hop, je veux une quille devant moi. Voilà. Je veux 100 milliards d'euros. Voilà. Non, enfin, avoir ce que je veux. Voilà. Et souhaiter le bonheur à tout le monde. Qu'il y ait de la paix dans le monde. Voilà. Je veux la paix dans le monde. Oh, ouais, voilà. Là, ils sont gentils entre eux. C'est mignon. Donc voilà. Si tu refais ça, je te jure, fais gaffe. Hein. Alors, ensuite, y a-t-il une personnalité célèbre, acteur ou chanteur que tu ne peux pas blairer, c'est-à-dire que de tarter à la première occasion? Or, pas de tarter, bon, elle dit ça bien sûr pour déconner, mais un acteur que j'aime pas, que je n'aime plus trop, c'est Omar Sy. Pourquoi? Parce que je trouve que depuis qu'il a eu ses Oscars, alors ça ne gêne pas qu'il ait eu ses Oscars, c'est bien, mais je trouve que depuis qu'il a eu ses Oscars et qu'il a fait son film, là, Intouchable, en 2011, je crois, il a pris la grosse tête, c'est incroyable, il se la pète, ce type, ça m'énerve, et c'est pour ça que ça m'a refroidi. Avant, je l'aimais bien, mais maintenant, là, je trouve qu'il en fait trop. Par contre, un acteur, si je devrais citer un acteur que j'adore, Jean Dujardin, qui lui mérite ses Oscars. Existe-t-il une cuisine dans notre pays que tu apprécies? À part la cuisine italienne, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, une cuisine sénégalaise ou africaine s'appelle le yassa. Ben, en fait, c'est connu, hein, c'est du riz avec du poulet, quelques légumes, c'est vachement bon. Pour nous faire... Ah, voilà. Et donc là, c'est une imitation qu'elle me demande. Donc, je vais commencer avec l'imitation donc de d'Alexandre du 41. Qui lui me demande en garde quand même le meilleur pour la fin, parce que là sinon la FAQ. Putain, je te jure, si tu refais ça, tu ne refais plus jamais ça. Regarde. La FAQ, ou la foire en question, est finie. Et pour conclure cette émission en beauté, nous allons faire les imitations que deux personnes m'ont demandé. Il s'agit bien sûr donc de Alexandre du 41 et Doudou. Donc, je vais commencer avec celle de Doudou, parce que celle d'Alexandre sera... Vous allez voir. Donc, Doudou me demande, et pour nous faire plaisir, pourras-tu imiter le père Foura dans la vidéo?
Ah, vous voici dans ma vigie. Ah, ma vigie dans ce magnifique fort. Regardez derrière. Dans ce magnifique fort, en pleine mer, en Charente-Maritime, pas loin d'un dénommé Mr. Bowling, un fou, qui est venu plusieurs fois faire le tour du fort. Et il est vraiment prêt à faire l'aventure, à prendre tout mon trésor. Oh, il faut que je le protège. Passe-muraille, passe-muraille, venez là, passe-muraille, de suite. Et Alexandre du 41, attention, lui me demande, peux-tu nous faire une petite imitation de Monsieur Burns du dessin animé américain Les Simpsons? Excellent. Monsieur Burns, votre centrale nucléaire fait office de pollution dans tout Springfield et dans toute la région. Comment expliquez-vous cela? Excellent. Et voilà, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission spéciale 2 ans. Il me reste encore quelques bonus à vous montrer. Déjà, un appel Skype que j'avais fait entre deux membres. Il s'agit de M. Florian puissance 5 et M. Titi 145 qui ont joué sur Mario Kart 8. Un appel qui était assez spécial. Ouais, je vais vous montrer quelques minutes, faire écouter quelques minutes de cet appel. Et ensuite, quelque chose là vraiment que vous n'avez vraiment jamais vu. Un vidéo test que j'avais fait lorsque j'avais 12-13 ans. Voilà, ça devait être vers 2009 ou 2010. En 2010, j'avais 13 ans. Ou 2009, c'était fin 2009. Voilà, par là. Et je peux vous dire que ça fait bizarre à voir et surtout à écouter. J'étais premier là. Ouais. Tu le touches pas alors qu'il a un fake et au dernier moment, il te balance un fake dans la gueule au dernier tour. Ouais. C'est con, hein. Mais ça, méga le talon. Mais non, mais j'étais... J'allais gagner. T'allais gagner. Mais ouais, j'allais gagner. Gagner. L'accentitude. Eh ouais, la verte, c'était moi, hein. Elle était belle, hein. Ah ben non, elle était moche. En fait, j'ai dépassé Florian. J'étais tellement content que j'ai fait un coup de rétro. Bon, je vote, moi, ou je fais autre chose, là. J'ai fait un coup de rétro tellement que j'étais content, hein, et je me suis fait rattraper par la verte. Ça va pas durer, ça va pas durer. Ah, c'est ça, ça va pas durer. Grâce à mon run, regarde ce run, regarde ce... Oh putain, le run de mes couilles là, ça marche pas. Mais putain. À bowling. Dégage là, t'as partout là. Mais non, mais va te faire sodomiser par un phoque dans la banquise. Pédobire va. Ça tu le fais souvent, Titi. Mais ouais. Est-ce que je peux rappeler que quand on a fait un duel, je te défonçais bowling? Moi aussi. Je sais plus. Un Parisien. Un Parisien. Voilà. Parisien, tête de chien. Parisien, tête de chien. Eh, tu vas fermer ta gueule. Paris. Oh, tac. Paris. Oh, tac. Et là, je peux... Ici, c'est Paris. Bowling. Ouais. Avec quoi tu m'as touché? J'étais protégé. Une rouge. Ça aurait été beau. Viens là, mais putain, mais comment il se barre l'autre? J'allais le sodomiser par une plante. Ah putain. Ah oh, oui. Paris. Un tacul. Paris. Un tacul. Mais c'est quoi ça? Putain, on comprend rien, ça bug. C'est quoi ça? C'est une victoire de la part de Mr. Bowling. Mais non, là je dis, hein. Faites un spécial bonbon, vous allez voir. Faites un spécial bonbon, moi. Un week-end. En fait, pour ma défense, il se passe quelque chose de bizarre sur ce Mario Kart 8. Pourquoi? À chaque fois que je joue avec les items normaux, je fais de la merde. Pour ce coup-ci, oui, tu vas pas gagner. Ça s'appelle pas la violence. Même Paris, on t'encule. Ouais, j'ai enregistré. Ah, t'as enregistré? Non, le bâtard. Que l'audio, pas la vidéo.
Ah d'accord. Oh, allez, soyons fous. Soyons fous. Je suis dans l'air. Shot, shot. Mais quel enfoiré. Ah bah chez moi, mais j'ai trop de la chance. Putain. Putain, j'ai plus de gorge. J'ai plus de gorge avec ça. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Là, tu vas plus en avoir, là. Eh, ce soir, là, tu vas vraiment plus en avoir. On va entendre que moi, là. Eh, je me prends. Bah, pas. Oh, enculé. Oh, enculé. C'est cadeau. Oh là là, qu'est-ce que je joue bien. Oh, bordel. Je te rattrape, Titi, tu vas crever. C'est ta mère qui va crever, wesh. J'ai pas. Toi, attends, j'ai rien compris parce que ça a hurlé dans le micro. Le monde, je baisse ta race. Il y a rageux. Je suis dernier. Alors là, c'est le choix. Soit je me la joue tapette, merde. Oh ah. Oh, je vais les refaire. Bowling. Quoi? Je t'aime. Ta gueule. Paris, Paris. Ok, il n'y avait personne. Le blanc que j'ai fait. Ça, ça s'appelle un bide. Et pour la peine... Elle va. Ta gueule, mais putain, avec ton circuit de merde. Ah, t'es chiant, là. Bah, tu mettras une pétition pour faire acheter un micro à Florian. Pétition, acheter un micro à Florian. Il en a besoin. Sa vie est dure, comprenez, ici. Et pourtant il a un nouveau micro-casque, c'est incroyable. C'est de la merde. Oh là là, c'était beau ça, j'étais parti troisième. Eh, augmente le son là, oh, parce attends, que c'est impossible. On t'entend pas, parle plus fort. Là on m'entend ou pas? Là ouais, un peu là, plus, encore un peu là, parce que là c'est... Ah n'aie pas peur de nous faire mal aux oreilles hein. Là on m'entend. Ouais, mais c'est toujours rien. On fait Paris, là, Paris, Paris. Oh, ta gueule. Ta gueule. Mais non, mais... Oh, oui, mais, oui, allez. Ah, on se vole. On se vole. On se vole. Je me fais dévancer. On se vole. Oh. Oh. On se vole. Oh non. Norage. Putain, j'étais premier à la ligne. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est quand... Eh, hey, mais je secoue ma manette comme un gros autiste, là, alors tu l'as fait la figure. Toi, ça speed, là. Balance tes roues. Eh, hey, j'ai laissé passer à machin speed, là. Il va bientôt un peu te sodomiser avec des rouges bien fraîches. Bon, que j'ai... Ah, qui m'avance, ça rouge là. Ah, ben enfin. Mais il me jarte! J'étais second! J'en ai marre! Encore une fois, bah voilà, je finis pas! J'étais second encore au dernier tremplin! Comment je l'ai poussé? J'étais premier! Mais putain, mais j'en ai marre! Je suis premier à la ligne, je me fais démonter! Je suis premier à 1 cm de la ligne, quoi! Il a qu'à juste tendre le petit doigt et il a gagné! Je suis premier du GP, les mecs, donc rien que ça, vous pouvez pas tester! Ta gueule. Il avait qu'à tirer la langue pour gagner et après je me fais défoncer, je fais dernier et là c'est pareil quoi. J'aurais gagné. Premier. Ta gueule. Paris, Paris. C'était sympa, allez merci beaucoup. Et à la prochaine, elle est toujours faire enculer. Allez hop, voilà. Allez hop, au revoir. Erreur de communication de nuit. Coucou à tous, c'est Alain sur New Super Mario Bros. DS. C'est un jeu qui est sorti et développé par Nintendo. Je sais plus en quelle année c'est sorti. Alors, je vais vous montrer le premier niveau. Alors, voilà. Alors voilà, là je suis dans le premier niveau où ça commence. Et là c'est où on aura notre ami le... Comment il s'appelle? Le méga zombie, le champignon géant. Alors voilà, alors là je prends les pièces. Alors, je vais me mettre comme ça parce que vous allez voir, quand je vais faire un rodéo, voilà, je casse les blocs, il y a des pièces qui arrivent, et j'ai un champignon. Alors, c'est ça qui est bien, voilà, quand vous faites comme ça. Alors, salut, c'est moi Alain, et c'est un jeu développé et édité par Nintendo. Alors, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir. Bon, il y a assez longtemps de maintenant.
Mais c'est un jeu qui est sorti pour précisément en novembre 2009. Voilà. Donc c'est un peu la suite de Mario DS. Oui. Les graphiques sont très bien. Il y a 9 mondes contrairement à New Super Mario Bros. DS qui en accueille 8. 8. Là je te sors le 8, je vais montrer d'abord le monde 1. Le monde 1, c'est le mieux, enfin. Plus facile. C'est le plus facile. Alors. Ça. Le premier niveau. Et voilà, cette émission est réellement terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Moi, en tout cas, je vous remercie de me suivre en tout cas, pendant 2 ans. Hein, vraiment, ça me fait grandement plaisir. On va continuer toujours les nouveaux projets qui sont en cours et tout. Et vraiment, je vous dis merci. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.